Soyez les bienvenus dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Lisons un peu. Nous allons voir Tite chapitre 1, versets 15 et 16. Il nous parle. Tout est pire pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pire pour ceux qui sont souillés et incrédules. Leur intelligence et leur conscience sont souillées. Ils font profession de connaître Dieu, mais ils ne rient pas. Leurs œuvres étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. Vous avez suivi comment est-ce que la Bible nous a dit que tout est pire pour ceux qui sont purs, mais tout n'est pas pire pour ceux qui ne sont pas purs. Soyez les bienvenus, mes confrères, partout où vous êtes, dans les quatre coins cardinaux. Je vous viens encore continuer à partager ces messages avec nos confrères partout, ils sont dans le monde. Tout est pire pour ceux qui sont purs. Et tout n'est pas pur pour ceux qui sont essuyés. On parle de la connaissance de Dieu. Est-ce que vous connaissez Dieu? Selon la Bible nous parle que les gens disent qu'ils connaissent Dieu. Ils disent qu'ils connaissent Dieu par ci, par là. Mais leurs mauvais actes les oppose. Vous direz que vous connaissez Dieu et vous êtes encore malfaiteur. Si vous êtes malfaiteur, ça veut dire que vous ne respectez pas les commandements de Dieu. C'est abominable. Les reconnaissances, leur pensée, vous pensez toujours du mal. Dans votre connaissance, il y a toujours du mal. Comment est-ce que tu dirais que tu connais Dieu? Et tu es rempli du mal. Tu es malfaiteur. Criminel. Tueur. Pour vous, d'abolir les commandements de Dieu, c'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. Tu ne peux jamais faire le mal et continuer à faire le mal si et seulement si vous connaissez Dieu très bien. Vous ne pouvez jamais vous impliquer dans les mauvaises choses. Si vous connaissez Dieu, c'est pourquoi la Bible nous parle qu'ils disent qu'ils connaissent Dieu. Mais leurs actes les opposent. Ils sont des féticheurs, les marabouts. Les idolâtres. Les menteurs, les criminels. Pensez à ça, mes confrères, partout où vous êtes. Ce n'est pas du jugement, mais c'est un message divin que je partage avec vous, partout là où vous êtes, au Cameroun, au Gabon, au Libéria, à la République démocratique du Congo, au Rwanda, au Burundi. La connaissance de Dieu. Vous ne direz jamais, vous ne direz connaître Dieu toutefois que vous continuez à faire le mal. Vous ne direz jamais que vous connaissez Dieu et vous continuez à faire le mal. Vous continuez à tuer, à ensorceler, à poisonner.
les collègues au boulot, les membres de vos familles, à des dieux, les membres de vos familles, c'est Satan, à vous impliquer dans le satanisme. Comment est-ce que vous direz que vous connaissez Dieu et vous êtes dans le satanisme? Dans le satanisme. Mes confrères et sœurs, partout où vous êtes, mes frères, je vous aime vraiment, je vous aime vraiment. C'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous en souvenir quelque chose. Connaître Dieu. Comment connaître Dieu? Nous connaissons Dieu si nous continuons à respecter ses commandements. Si nous continuons à faire du bien. Si nous continuons à aider les autres. Si nous continuons à aimer les autres.